6,5 milliards pour le domaine agricole de Sangalkam. Les travaux vont démarrer avant la fin du mois de juin, indique le ministre de la Jeunesse qui était sur le site. Et pas moins de 1 000 jeunes seront employés dans ce qui sera un foyer de serre unique au Sénégal, nous dit Ibrahim Diédiou. Il s'étend sur 476 hectares et sera complété par les sites de Bambilor et de Sébikotane. Un foyer de serre unique au Sénégal avec tout le dispositif de conditionnement pour une production horticole de qualité. L'investissement, 6,5 milliards de l'État du Sénégal, qui va permettre d'employer au moins 1 000 jeunes. Sangalkam a été lancé par le président de la République et on a eu des blocages au niveau du montage financier, des blocages administratifs. Tous ces blocages ont été levés, on les a tous réglés. L'aspect financier est réglé, l'aspect technique également, parce qu'avec nos partenaires de Green 2000, les ouvriers sont déjà sur place. Certains même ont pris des logements dans les environs. Le matériel a été déjà chargé en Israël pour le faire parvenir à Dakar. Donc tout est fin prêt pour qu'on démarre les travaux du DAC de Sangalkam. Les domaines agricoles communautaires, une initiative du président Macky Sall. Pour Dakar, le chef de l'État a voulu rendre à la zone des Niayes sa vocation historique agricole. Le PRODAC réfléchit à la possibilité de mettre en place une plateforme d'élevage en rapport avec les jeunes éleveurs de la région de Dakar afin de mieux organiser et formaliser ce secteur en plein essor.